Waouh, comment il m'a donné soif ce montage. Vas-y, je vais boire. Salut à tous, c'est Diamantas pour une petite vidéo. On est pour un petit gameplay sur Call of Duty Black Ops 1 sur Array en match à mort par équipe. Donc déjà jusqu'à là, tranquille, pépère, calé, ok. Donc je vais jouer avec ce gameplay au PSG 1. Voilà, je suis en train de le prendre, voilà, c'est le PSG 1 sans rien. Parce que le gameplay est tout frais, hein. Le gameplay il date de ce matin. Et pourquoi du Black Ops? Pourquoi du Black Ops? Parce que Ghost m'a pété les couilles. Modèle géant, ouais. Ghost, pour vous dire, là je l'ai même plus en main. Ghost il m'a tellement saoulé que je l'ai prêté à un pote. Un pote qui ne l'a pas acheté parce que voilà, il a écouté ce que les youtubeurs disaient, il a écouté ce que tout le monde disait sans se faire une idée. Donc ça, j'en reviendrai peut-être après la vidéo si j'ai le temps, enfin surtout si j'y pense. Il l'a pas acheté et vu que moi Ghost j'y joue plus, genre normalement à cette époque de l'année, je suis au moins à 8 jours de jeu sur les Call of Duty. Au moins 8 jours de jeu, parce que non, je les sèche pas non plus beaucoup. Normalement, je suis à 8 jours de jeu. Sur Ghost, pour vous donner une idée, je suis à 3 jours de jeu. Voilà, donc j'ai beaucoup joué au début. Ça va faire un mois et demi là que j'y ai pas touché, mais vraiment pas du tout. Hein. Genre, j'ai dû faire 3 parties dessus en 3 mois. En 1 mois, pardon. 3 parties dessus en 1 mois. Voilà quoi. Donc, pour vous dire un petit peu comment je l'aime ce jeu. Donc, je l'ai prêté à un pote. À Rastadiem, je l'ai prêté, lui dédicace toi, pour qu'il se fasse sa propre idée et pour savoir s'il compte l'acheter, mais je connais déjà la réponse, il ne l'achètera pas. Donc, alors, du Black Ops, parce que ça m'a saoulé, vous allez voir durant le gameplay que bah j'ai un shoot pourri, vous voyez là, normalement je l'aurais jamais loupé quoi. Au passage, c'est la dernière fois que je meurs du gameplay, je crois. Donc vous voyez comment je galère. Après, j'ai ramassé une arme en coup par coup. Et pareil, je vais complètement galérer. Et je fais aussi un petit bisou à Optimal qui était dans mon groupe d'amis pendant que je recordais le gameplay. C'est pour ça que vous allez voir marqué Optimal Zinc en haut à gauche. Zanko qui était dans mon groupe d'amis pendant que je recordais. Donc là vous allez vous foutre de ma gueule parce que je galère tellement à le tuer. C'est tellement immonde. Ah ouais, j'ai réussi à le tuer. Enfin. Enfin. Enfin bref. Donc durant ce commentaire, je vais un petit peu galérer parce que j'ai rien à parler. Je suis vraiment en freestyle. J'ai rien noté. Alors généralement, je note les trucs que j'ai envie de dire. Pour éviter que je sois perdu comme maintenant. Mais je pense que je vais parler de 3-4 trucs du style pourquoi Ghost m'a saoulé, même si beaucoup le savent. Et pourquoi du Black Ops 1 et pas du Black Ops 2 ou du Modern Warfare 3. Alors pourquoi Ghost m'a saoulé? Parce que c'est un jeu que je n'arrive pas à prendre en main. C'est pas un mauvais jeu. Ghost n'est pas un mauvais jeu. C'est un jeu plutôt potable. Mais il y a plein de petits trucs qui nous cassent tous un peu les noix. Comme des exemples, le fait que tu ne peux pas faire de série parce que tu te prends 2 balles, tu meurs. Un truc que beaucoup de youtubeurs se plaignent, moi aussi je m'en plains. Les gens se disent qu'ils se sont habitués, moi je me suis pas habitué. Genre sur Black Ops, nombreuses fois j'aurais pu mourir parce que je me suis pris genre 3 balles dans le dos. J'aurais très bien pu mourir, mais non, j'ai quand même réussi à m'en sortir. Il y aura des exemples durant le gameplay. Les atouts sont pas abusés et les accessoires non plus sur Black Ops. Donc sur Ghost, les atouts et accessoires, je vous en parle pas. Je dirais pas pire qu'un Black Ops 2 niveau accessoires, parce que c'est vrai que sur Black Ops 2 niveau accessoires de pute, il y avait quand même du haut niveau. Mais il y a plein de petits trucs comme ça où genre tu peux pas faire une game sans rager, que ce soit les chiens et tout. Alors que sur du Black Ops, c'est pour ça que j'ai choisi le jeu. Sur du Black Ops, c'était bien, voilà. Ta principale, ta secondaire, tes atouts, voilà, t'as ta flash, ta grenade, et si t'as une, et après t'as une clé mort ou autre, clé mort que tu peux éviter, voilà, c'est très simple, quand tu utilises ton insertion, tu peux pas te faire tuer à l'insertion parce que là, tu peux faire Y, ça t'empêche de, ou triangle sur PS3, ça t'empêche de mourir à ton insertion, mais plein de petits trucs comme ça qui fait que j'adore ce jeu. C'est mon premier Call of. Donc comme tous nos premiers Call of, dites-moi dans les commentaires, mais vous le kiffez.
Dites-moi dans les commentaires c'est quoi votre premier Call of, surtout. Ça m'intéresse vraiment. Et dites-moi lequel des Call of Duty vous préférez le plus. Et je suis sûr que c'est votre première, que c'est votre premier Call of que vous allez aimer le plus. Parce que voilà, nostalgie, c'est, on aime ça. Ouais, alors je vous coupe juste 2 secondes. En parlant de nostalgie, je vais vous montrer un petit extrait de vidéo que j'ai caché depuis un petit bout de temps. Mais j'ai envie de vous remonter. Donc si vous voulez vous foutre de ma gueule, c'est dans les commentaires. Allez, faites-vous plaisir. Salut, c'est Dieu Mortel. Aujourd'hui, c'est pour un petit gameplay sur Call of Duty Black Ops, comme d'habitude, sur Arrêt. Alors, j'ai fait une petite série, hein. Je crois que j'ai fait 9, c'est pas énorme, mais c'est juste que j'étais content, alors j'ai voulu vous la mettre. Alors là, ça commence par un double meurtre, plus un petit bonus. Alors, je garde bien 4. Hop, le campeur, il m'avait pas vu, je le fume. Puis voilà, c'est un jeu simple, qu'on a, y a pas de prise de tête. Voilà quoi, j'aime Black Ops 1. Mais la dernière fois que j'ai fait du Black Ops 1 sur ma chaîne, les gens ont pas aimé, j'ai pas fait beaucoup de vues. Mais les vues, dans l'ensemble, je m'en branle. Je veux dire, mais après, voilà, je fais un travail. Et j'aimerais bien quand même qu'il fasse ses vues quoi. Parce que j'ai 560 et quelques abonnés. Faire 50 vues par vidéo alors que j'ai plus de 500 abonnés. Voilà. C'est un petit peu bizarre quoi, il y a quand même une différence. Mais ça fait ça pour tous les youtubeurs. Voilà, ça fait ça pour PewDiePie par exemple qui a 20 millions d'abonnés. PewDiePie 20 millions d'abonnés ou 22 millions maintenant. Il fait 3 millions de vues par vidéo. Voilà, ça, c'est un exemple mais... Voilà, je sais pas mes vues et... Et ça m'énerve un petit peu parce que je m'en fous de l'argent que je peux gagner sur YouTube. Pour vous donner un exemple, pour ceux qui disent que je fais ça pour l'argent, très peu me le disent. Hein, parce que. Au passage, regardez. Hop, je prends des balles, je peux jump et le tuer. Voilà, ça aurait été sur du gosse, je serais mort. C'est un exemple. Donc, ceux qui disent que je fais ça pour l'argent, d'abord, je vous encule pas mal. Mais. C'est un peu con de votre part parce que vous voyez le nombre de vues que je fais par mois et c'est pas ça qui va me servir à me payer. Un Avermedia, une console, une Xbox One ou une PS4, vous voyez, si je calcule bien, j'ai assez pour me payer un kebab par mois. Donc, on va dire que je vous emmerde pas mal. Mes vidéos, je les fais avant tout pour le plaisir, sinon je les ferai pas. Vous ressentirez pas le plaisir que j'ai à faire dans mes vidéos, quand je fais des lives, que je rigole avec les potos et tout ça, voilà, je pourrais très bien me mettre devant ma console, revendre tous les trucs que j'ai achetés. J'aurais un gros bifton pour acheter une Xbox One et me faire plaisir tranquille. Sans faire de vidéo, mais j'aime ça. Je pourrais très bien revendre tout ce que j'ai acheté. Hein. J'ai plein de matériel, hein. Sans me vanter. J'ai un très très bon setup. Vous pouvez aller voir sur ma vidéo setup qui est en haut à droite. J'ai un très très bon j'ai de très bon matériel que si je revends, je peux très très bien m'acheter une Xbox One. Il y a aucun problème avec des jeux, des manettes, des burns. Hein. Il y a aucun problème. Mais j'aime faire des vidéos, j'aime faire ça pour vous. J'aime jouer par exemple avec Swat le Bogos. Tu es dédié à toi. Il voulait absolument que je le dise, donc je dis. Voilà, j'espère que t'es content. J'aime jouer avec tous mes potos en faisant des vidéos. Les gens, certains aiment mes vidéos, certains aiment pas. Bon, bah, c'est ce que ça s'appelle YouTube. Hein. On peut pas faire. Il y a des haters. Les haters, bon voilà, ça existe. Bon, bah voilà, ça existe, c'est dommage. Hein. Il y a des bâtards. Pas trop grave, hein, c'est YouTube. Bon, voilà, j'espère que ce gameplay vous aura plu. Finalement, c'était pas la dernière fois que je mourrais tout à l'heure. Je fais du 24-3. Donc voilà, je suis assez content. Ça faisait longtemps que je m'étais pas posé devant un gameplay comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un commentaire, un like, abonnez-vous si vous comptez me suivre. Surtout, si vous likez juste pour une vidéo, le faites pas. Si vous vous abonnez pour une vidéo... Vous abonnez pas, ça vous fera du chiffre en plus, mais ça ne fera pas des vues en plus, ça ne fera pas des gens en plus, ça ne fera pas des abonnés fidèles en plus, ça ne fera pas des gens à qui je pourrais parler en plus. Bref, voilà. J'ai envie de dire, au revoir à la prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.